Bonjour à tous mes chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour les nouvelles énergies du week-end. Oui, je vais te lâcher. Les énergies du week-end du 28 et 29 novembre 2020, j'allais dire octobre, pas du tout. Pas du tout, puisque regardez, je viens de changer la décoration, puisqu'on abandonne les énergies de Samhain pour rentrer tout doucement dans les énergies de Yule. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Cette semaine qui se termine, ce mois qui se termine aussi tout doucement. On va rentrer dans le mois de décembre en espérant au moins qu'on ait au moins le mois de décembre qui soit à peu près potable dans toute cette année qu'on aura eue. Au moins pour la magie de Noël, quoi. Je vous ai fait cette déco. À la base, j'étais pas motivé. Je vous l'ai dit en vidéo cette année, j'étais pas motivé à faire quoi que ce soit. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, tu vas faire la déco du cabinet. Et puis du coup, en sortant les cartons et tout, je me suis dit, oh, ça fait ni queue ni tête d'avoir mis ce sapin. Donc du coup, j'ai décoré toute la maison, j'ai tout mis. Voilà. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Je me dis qu'après tout, vu l'année quand même un peu légèrement hein, pourrie quand même qu'on a eu, je me dis que la magie de Noël, c'est tout ce qui va nous rester en termes de lumière, d'espoir, de magie, de rêve, etc. Ça dure tellement peu de temps, Noël, donc autant en profiter. Donc j'ai tout sorti et puis voilà. Allez, donc guidance pour ce week-end. Je vous ai pas fait de vidéo pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que hier, je me suis endormi lamentablement comme une bouse. J'étais parti pour faire ma vidéo et puis, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai mis les jeux sur ma boutique MPC. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps puisque je me suis couché, il était 5h du matin. Du coup, j'avais pas beaucoup dormi, j'étais vraiment naze. Et je me suis endormi comme une bouse. Donc, vous n'avez pas eu de vidéo pour aujourd'hui. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? J'en sais rien. T'as une idée, Angèle? Bah écoutez, on va se prendre l'œil dans le noir pour la partie guidance. Tiens, est-ce qu'on se ferait pas le fantabuleux pour la partie énergie, amour, tout ça? Et puis on se fera les baguettes. Et puis tiens, si on se faisait le grimoire des oracles, ça je vais l'enlever parce que ça a tombé. Hop, et on se fera le grimoire des oracles pour la partie prédiction. Allez, c'est parti tout de suite, les amis. Angèle, la caméra, elle est plus sur ta gauche si tu veux regarder. Non, parce qu'elle regarde la caméra, mais si tu veux qu'on te voie, il faut que tu te déplaces plus à gauche. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, pour notre week-end à venir, nous avons une femme brune qui apparaît. Donc, du coup, est-ce que ce week-end, vous aurez un lien avec une femme brune, une jeune femme brune? Alors, brun, c'est vaste, hein, ça va de châtain foncé à vraiment noir. À voir. À voir, on va voir avec le reste. Ouh! Oh, nous avons le jouet qui est sorti. Oui, d'ailleurs, vous avez vu que Annabelle a disparu, donc pour tout le mois de Noël, vous n'aurez plus à la supporter. Bon, vous savez comment je suis quand il y a des personnages, des cartes consultantes qui sortent. J'aime bien en avoir d'autres pour venir préciser. Donc, on va se prendre une troisième carte. Tac, et nous avons le vent. Alors, le vent est porteur de nouvelles, vous le savez, hein, ça je vous le dis très régulièrement. Le vent, pour moi en tout cas, hein, je ne sais pas comment vous l'interprétez, pour moi le vent c'est vraiment le symbole du facteur, de celui qui apporte des nouvelles. Attention cependant, les nouvelles, hein, comme un facteur, parfois il vous apporte un colis et puis parfois bah, il vous apporte une facture. Donc il faut se méfier des nouvelles. Les nouvelles peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Ceci dit, là, avec l'ensemble de cartes qui est sorti, pour moi, il y a une espèce de message de vigilance avec lequel il va falloir, comment dire, va falloir travailler. On a la poupée. La poupée, il faut vraiment s'en méfier parce que c'est. J'ai cru voir une oreille de Rominet.
La poupée, il faut s'en méfier parce que elle peut être autant quelque chose de positif comme quelque chose de négatif, à savoir que la poupée peut faire référence à un enfant, à tout ce qui est lié au domaine de l'enfance. Ça peut être également ici, ça peut nous signifier une femme puérile. Elle est où? Là, ça peut nous signifier une femme puérile, une femme brune puérile, une femme qui n'assume pas ses responsabilités, une femme peut-être que vous avez tendance soit à materner ou qu'il faut vraiment prendre par la main pour qu'elle fasse les choses, etc. Il faut toujours jouer un petit peu au rôle du maman, du flic, etc. parce qu'elle a tendance à faire des bêtises. Donc ça peut être ça. Ça peut nous parler ici peut-être d'une femme qui a du mal à se décider, d'une femme qui n'assume pas ses responsabilités également, quelqu'un sur qui on ne peut pas trop compter et quelqu'un surtout sur qui on ne peut pas vraiment se fier. Parce que la poupée, vous l'aurez bien entendu reconnue, hein, je vous la montre de près, vous aurez reconnu de quelle poupée il s'agit. Ce qui veut dire que là, il y a un double message dans le sens attention avec qui, attention à... Oui, avec qui avec qui de façon plus générale, mais comme là on a quand même la femme brune, ça nous donne une précision. Attention, cette femme, si vous avez une femme dans votre entourage qui soit, comme je vous l'ai dit, n'assume pas ses responsabilités, sur qui on ne peut pas se fier, sur qui on ne peut pas se confier, ou quelqu'un qui est puéril, etc., ou qui cumule tout en même temps, ça fait quand même beaucoup pour la même personne, mais bon, ça peut aussi, quelqu'un qui cumule. Méfiez-vous de cette personne-là parce que telle que la poupée, elle peut autant avoir un aspect positif, c'est-à-dire réconfortant à la base, hein, une poupée, toutes les petites filles, enfin toutes les petites filles. Hein. Pardon, je fais des clichés, excusez-moi. Mais en principe, une poupée, c'est comme une peluche, c'est quelque chose qu'on va serrer près de soi pour se rassurer, pour se réconforter. Donc ça peut avoir une symbolique positive. Comme là, si on prend Annabelle, ça peut être une symbolique négative dans le sens attention, si vous la faites rentrer chez vous, ici ça peut nous signifier quelqu'un dont il faut se méfier et qui n'est pas forcément ce qu'il prétend être. Donc méfiez-vous, ça pourrait nous parler d'une forme d'hypocrisie ici. Ça pourrait également nous parler d'une forme de menace. Hein. Peut-être que ici c'est une nouvelle menace qui arrive ou c'est cette femme brune qui arrive. Donc peut-être qu'elle n'est pas encore rentrée dans votre vie. Peut-être que vous allez la rencontrer ce week-end ou peut-être qu'elle va se manifester ce week-end ou peut-être qu'elle va vous redonner des nouvelles dans le week-end. Quoi qu'il en soit, ce serait quand même marrant si vous recevez des nouvelles d'une femme brune ce week-end. Du coup, ici, vous avez un message d'alerte pour vous dire méfiez-vous de cette personne-là parce qu'elle n'est pas forcément ce qu'elle prétend être. Attention, il n'y a pas forcément un aspect négatif et diabolique derrière cette personne, qu'on soit bien d'accord. N'allez pas l'envoyer paître en lui disant ah, tu es démoniaque, tu es Annabelle, laisse-moi tranquille. Non, non. Ça peut être qu'elle ne prétend pas être ce qu'elle est dans le sens où ou peut-être qu'elle cache certaines choses derrière son masque, derrière l'apparence qu'elle se donne. Peut-être qu'il y a un mal plus profond. Ça peut être aussi une femme qui souffre beaucoup, d'accord? Mais qui arbore toujours un joli sourire, qui ne laisse rien paraître, et peut-être qui cache justement des maux, MAUX, bien plus profond que l'apparence qu'elle peut revêtir, d'accord? Donc ici, dans les deux cas, que ce soit négatif ou que ce soit positif dans le sens où il va falloir intervenir pour cette personne-là, dans les deux cas, ça nous parle de se méfier, de ne pas se fier aux apparences, tout simplement. Allez, donc on y va maintenant pour le fantabuleux. Je voudrais rire, je vous jure, si on sort la poupée aussi avec le fantabuleux, c'est qu'il y aura vraiment un signe. Hein. Angèle, heureusement qu'on ne voit pas à la caméra parce qu'il faudrait que je mette Peggy 18. Parce que alors vous verriez ce qu'elle est en train de se faire. Bah, c'est bien hein, moi, Angèle, elle n'a pas besoin d'un autre chat, elle se fait plaisir toute seule. Allez, c'est parti. C'est pas. Ah, nous avons la carte jaune, la significatrice solaire. Oh, bah heureusement, derrière, elle avait la significatrice lunaire. Significatrice solaire avec le cœur, les amis. Ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il va y avoir une amélioration déjà dans les domaines généraux, quel que soit le domaine, que ce soit d'ordre professionnel, financier, etc. Il va y avoir une nette amélioration et une grande amélioration. La significatrice jaune, c'est un peu comme la carte du soleil dans le normand, c'est-à-dire que dès que cette carte apparaît, toutes les cartes qui sont un peu négatives, eh bien, sont atténuées. Leur énergie est atténuée pour signifier qu'il y a un aspect positif derrière tout ça.
Excusez-moi si je hache un petit peu mes phrases, mais je viens de me taper plus de 3 heures de déco, de rangement, etc. Je suis un petit peu cuit, voyez-vous. Ensuite, donc, on a le cœur. Le cœur ici, ça nous signifie tout ce qui est lié à l'amour. Ça peut être amitié, amour, famille, vraiment tout ce qui vous tient à cœur. Ici, il va y avoir une nette amélioration dans le domaine sentimental. Peut-être, je vous le souhaite, pourquoi pas, ce week-end en plus, comme à partir de demain, les magasins peuvent réouvrir. Donc, du coup, il est probable que vous ayez envie de sortir. Je pense que moi, le premier, j'irai faire un tour aussi, histoire de m'oxygéner un petit peu. Hein, parce que, comment vous dire que depuis un mois et demi, là, ça commence à tirer. Donc, peut-être que ce week-end, eh bien, je vous le souhaite, il est possible et les énergies sont propices à ce qu'il y ait des rencontres qui se fassent. Donc j'ai envie de dire, profitez-en, allez-y, sortez. Alors bien sûr, faites attention, etc. Hein, je vais pas vous faire le speech, hein. Mais profitez-en. Si les énergies sont propices aux rencontres, alors faites ce qu'il faut. Hein, n'ayez pas peur du coup de vous lancer. Vous pourriez être agréablement surpris. Pour tous ceux qui sont en couple, ça pourrait nous parler d'une amélioration dans leur couple. Peut-être que enfin, c'est même pas peut-être, parce que je vous l'ai dit déjà dans je sais plus, la dernière, l'avant-dernière, je vous avais dit qu'en ce moment, on était dans une espèce de creux, hein, et que forcément, si on était dans le creux, on pouvait que remonter au bout d'un moment donné quand même, hein. Donc là, ça pourrait nous parler d'une amélioration. Il se peut que dans votre couple, si vous rencontriez cette espèce de creux où chacun vivait un petit peu sa petite routine, et voilà, ici, ça pourrait nous parler d'un amour qui va renaître, qui va revivre, d'une flamme qui va se raviver. Hein, donc là aussi c'est plutôt positif. Et dans un domaine plus général, tout ce qui vous touche à cœur, ce week-end, vous pourriez retrouver une sorte de motivation. Alors, c'est quand même drôle parce que je viens de vous le dire, à partir de demain, le confinement sera un petit peu moins strict. Enfin, d'après ce que j'ai compris, parce que c'était pas très clair. Mais normalement, à partir de demain, le confinement est un petit peu plus souple. Donc, du coup, est-ce que les énergies et le moral va forcément remonter du fait qu'on pourra un petit peu ressortir et refaire deux, trois petites choses? J'ai envie de dire, c'est lié, hein, c'est pas une coïncidence qu'on ait ces énergies-là, justement, qui coïncident avec ce qui va se passer ce week-end. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis, profitez-en. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que c'est un beau week-end qui va se profiler. Hein, on est sur des énergies qui sont du coup positives. Alors, ce que je vous ai annoncé avec la femme brune et la poupée, dites-vous bien une chose, c'est que la significatrice jaune vient atténuer ici l'aspect négatif des cartes. Donc l'aspect négatif principalement, c'est au niveau de la poupée, hein, que c'est négatif. Donc là, du coup, ça vient atténuer. Donc il se peut qu'on soit sur un bon week-end et que cette femme brune dont je vous parlais ne soit pas sur l'aspect diabolique. Non, arrête de te gratter, Angel. Gratte-toi pas. Oui, non, parce qu'à force de se gratter, elle se gratte au sang et le problème, c'est qu'elle cicatrise pas, elle fait que se gratter derrière. Oui, donc je vous disais, on peut certainement neutraliser l'aspect diabolique et négatif de la femme brune pour ce que je vous avais expliqué. Peut-être qu'elle cache un mot plus profond et peut-être que ce week-end, il va y avoir un échange d'amour, d'altruisme, du partage, peut-être un pardon aussi, pourquoi pas, ça me fait penser aussi à des excuses. Peut-être que ce week-end, vous allez en profiter pour vous excuser auprès de cette femme. Peut-être que vous étiez plus ou moins brouillé ou peut-être qu'il y avait des liens qui avaient été coupés et du coup, ce week-end, vous pourriez peut-être en profiter pour vous réconcilier, hein, ça peut être ça. Et puis voilà les amis. Allez, c'est parti pour notre baguette. Alors, nous avons, je vais dire toujours à l'envers, nous avons la numéro 10. La 10, et bien sûr, je n'ai pas sorti mon livre. Alors, 10, 10, 10. La 10, bien que votre conduite soit correcte, des problèmes peuvent se présenter. Oui, ça, je vous l'ai dit avec la carte du vent. Votre réputation est compromise et vous devez vous rendre compte que d'autres répandent des rumeurs sur vous. À moins d'user de prudence et de mesure, vous pourriez avoir à affronter de nombreux créanciers et des procès. Ce n'est pas une bonne période pour vous lancer dans de nouveaux projets. Au lieu de cela, vous devriez tenter de protéger ce que vous avez déjà. Alors, n'oubliez pas une chose, je vais vous montrer, hop, si vous voulez tout lire.
N'oubliez pas une chose, là, on a une baguette qui est assez négative et qui nous parle potentiellement de problèmes à venir et d'user de prudence. Bon, je viens de vous le dire, avec la carte du vent, hein, le vent il est toujours porteur de nouvelles, ça peut être des nouvelles positives comme ça peut être des nouvelles négatives. En plus, on arrive sur la période des fêtes, alors je sais pas vous, mais alors pour chaque Noël, quand il y a une tuile qui doit arriver, bizarrement, elle coïncide au niveau de décembre, hein. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Donc ici, il faut user de prudence. Rappelez-vous ce que je vous ai dit aussi par rapport à cette femme brune, hein, ça peut être elle qui peut apporter aussi une forme de discorde. Mais surtout, n'oubliez pas et gardez en tête la significatrice jaune ici, qui nous parle soit de résolution de problèmes, de dénouement positif et heureux, j'ai envie de dire. Donc même s'il y a une certaine forme d'adversité et certains problèmes qui vont se profiler, il est probable ici qu'il y ait un dénouement qui soit positif. Voilà, mes chers amis. Allez, on va se terminer maintenant avec notre petite prédiction. Oula, 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 oula. Une seule suffira. Nous avons le soleil sud et 13. Soleil sud 13. Droite, gauche. Qu'est-ce qu'on avait pris la dernière fois? Droite, je crois. Allez, gauche. Gauche, et on va se mettre par là. Et j'ai dit soleil sud 13. Alors, gauche, sud. Sud, soleil, rose. Et la rose avec le numéro 13, ça fera le chiffre 6 avec une paire d'ailes noires. Rose, 6, noir. Rose, 6, noir. Attendez. Oui, c'est ça, 6. 6. Ce médaillon représente une rencontre amoureuse suivie d'un lien intime. Ah, c'est marrant, hein, moi qui vous parlais d'énergie qui était propice aux rencontres. Du coup, la paire d'ailes noires, union irrégulière mais heureuse, pouvant par la suite être régularisée. Ah, c'est plutôt intéressant. Regardez, je vous montre. Union irrégulière mais heureuse, pouvant par la suite être régularisé. Donc ici, ça pourrait nous faire référence du coup aux rencontres, ce que je viens de vous dire, mais peut-être des rencontres qui... ce sera peut-être pas forcément le grand amour tout de suite, hein, comme dans les films qu'on peut voir là sur... En ce moment à la télé, c'est-à-dire on croise le regard et puis ça y est, on tombe amoureux, il plombe de la neige, il y a le Père Noël derrière, bref. Ça, pour moi, à mon avis, on sera pas sur ça. Ça peut être plutôt des rencontres avec, bah, comme la prédiction l'a dit, avec une certaine forme d'irrégularité, dans le sens où voilà, on se voit, on se fréquente, mais on se prend pas la tête, on est ensemble sans être ensemble, enfin voilà. Hein, peut-être qu'on se sépare, on se retrouve, mais peut-être que par la suite, il y a quelque chose qui va se créer après, plus tard. Donc surtout, j'ai envie de vous dire, persévérer et continuer à y croire. Voilà donc mes chers amis. Juste avant de terminer, pour une fois, je vous fais l'annonce en dernier. Vous avez vu que je vous ai fait donc la vidéo spéciale où je vous parle de tous les jeux. Je vous le dis, je vous le redis parce que j'ai reçu des mails, aussi incroyables soient-ils, pour me demander comment est-ce que ça se faisait que les jeux que j'avais annoncés n'étaient pas sur la boutique. Alors, je l'ai dit durant la vidéo que les jeux étaient en cours d'approbation. Donc, quand ils sont en cours d'approbation, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore sur la boutique. Hein? Voilà. Je l'avais bien dit, ne vous jetez pas sur la boutique après ma vidéo parce que les jeux n'y seront pas. Je sais pas, je devrais essayer dans d'autres langues, peut-être en anglais, en allemand, je sais pas. Donc là, ça sert toujours à rien de vous jeter sur la boutique puisque à l'heure actuelle, vous avez toujours juste le veilleur dans sa première formule accessible. Vous avez l'œil dans le noir en format oracle et en format tarot, et vous avez l'oracle fantabuleux, les trois jeux en finition satinée, d'accord? Tous les jeux que je vous ai annoncés, que ce soit le carré fantabuleux, le rond de cristal, etc., etc., tout cela, ils sont en cours d'approbation. C'est-à-dire qu'il faut laisser quelques jours pour que l'équipe de MPC valide le design afin qu'il soit sur ma boutique. Voilà, est-ce que comme ça, c'est plus clair si j'articule bien? Et puis voilà, donc ne vous jetez pas hein, sur la boutique, ne m'envoyez pas de mail pour me dire pourquoi c'est pas dessus, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué, faut écouter. Et puis voilà, juste petit aparté pour histoire de vous faire un petit peu rire sur une petite note positive, je viens aujourd'hui, j'ai eu.
EDF pour finir, du coup, vous savez, les fameux 1060 euros que je devais. Et au final, de 1060 euros, eh bien, la facture de clôture, parce qu'apparemment, il restait un petit reliquat, eh bien, du coup, elle est de 27 euros. Bah, je veux pas dire, mais entre 27 euros que je dois payer et 1060, hein, il y a quand même une marge nette. Hein, voilà. Donc, du coup, ça se termine relativement bien. Allez, sur ce, les amis, je vous embrasse tous très fort. Ce week-end, je vous promets rien parce qu'à chaque fois que je vous dis je vais faire, j'y arrive pas, je le fais pas et je mets rien. Donc, je vous promets rien. Au mieux, on se retrouve dimanche soir pour les énergies de lundi. Et puis, si je sors quelque chose ce week-end, eh ben, ça sera la surprise. Et puis voilà. Allez, prenez bien soin de vous, profitez de votre week-end, gardez espoir, gardez la pêche. Je sais que c'est compliqué, surtout pour cette période de Noël qui arrive. Pour beaucoup, je sais que Noël, vous allez le passer seul. Je sais certains aussi que vous avez des problèmes perso très difficiles. Donc, surtout, ne perdez pas espoir. Je sais à quel point ça peut être difficile. Essayez de garder courage, hein. Dites-vous qu'on est tous plus ou moins dans la même galère. Je dis bien plus ou moins parce qu'il y en a qui sont moins que plus et d'autres plus que moins. Donc, je sais que ça réconforte pas ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, dites-vous que quand même vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul, d'accord? Même si vous avez plus de famille, plus d'amis, plus personne, vraiment, même pas un chien, même pas un chat, même pas un poisson rouge, rien, juste votre télé. Dites-vous que je suis là, on est là, il y a la communauté qui est autour de vous, donc dites-vous que vous ne serez pas seul, et en plus, je vous ai prévu des choses pour Noël pour que vous ne passiez pas Noël seul. Je vous ferai des petites vidéos, enfin, je vous ferai un petit truc comme j'avais pu faire déjà l'année dernière. Enfin, je sais pas si je l'avais fait l'année dernière. Si, je crois que je l'avais fait l'année dernière. Oui, je l'avais fait l'année dernière. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous laisse passer un très bon week-end. Je vous embrasse fort.